Bonjour et bienvenue pour une vidéo de phonologie. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à reconnaître des sons, un son particulier, dans des mots. Attention, tu es prêt? C'est parti! Dans la vidéo, pour apprendre à reconnaître le son O, tu as déjà appris à retrouver des mots dans lesquels tu entendais le son O. Comme dans piano, par exemple. On entend le son O à la fin. Piano. On entend le son O dans no. Ou comme dans le mot mandoline. On entend le son O au milieu. Mandoline. On entend le O dans la syllabe do. Mandoline. On entend aussi le son O dans le mot corps. On entend encore le son O dans le mot hautbois. Au début du mot hautbois, on entend bien le son O. Alors maintenant, nous allons nous entraîner à reconnaître des mots où on entend le son O. Alors, je te propose comme premier mot le mot bateau. Alors, je te laisse appuyer sur pause pour vérifier si tu entends le son O dans le mot bateau et nous corrigeons ensuite. Ça y est, tu as trouvé? Alors, bateau. Et oui, tu as raison, on entend bien le son O à la fin du mot bateau. Deuxième mot que je te propose, c'est le mot escargot. Est-ce que tu entends le son O dans le mot escargot? Je te laisse appuyer sur pause pour vérifier et nous corrigeons ensuite. Ça y est, tu as trouvé? Alors, escargot. Go. Et oui, tu as raison, on entend bien le son O à la fin de escargot. Alors, je te propose maintenant le mot bougie. Alors, réfléchis bien, est-ce que tu entends le son O dans le mot bougie? Je te laisse appuyer sur pause pour vérifier et nous corrigeons ensuite. Alors, tu as trouvé? Bougie. Eh oui, tu as raison. On n'entend pas le son O dans le mot bougie. Parfait. Voici maintenant une rose. Alors, entends-tu le son O dans le mot rose? Je te laisse appuyer sur pause. Ça y est, tu as trouvé? Rose. Et oui, tu as raison, on entend bien le son O dans rose. Voici une brosse pour effacer le tableau. Alors, entendu le son O dans brosse. Je te laisse appuyer sur pause. Ça y est, tu as trouvé? Alors, entends-tu le son O dans brosse? Eh oui, on l'entend. On entend le son O. Brosse. Très bien, tu as trouvé. Voici maintenant le mot livre. Entends-tu le son O dans le mot livre? Je te laisse appuyer sur pause. Ça y est, tu as trouvé? Entends-tu le son O dans le mot livre? Eh oui, tu as trouvé. On n'entend pas le son O dans le mot livre. La bouche ne fait pas un O dans le mot livre. Et pour terminer, voici le mot pomme. Entends-tu le son O dans le mot pomme? Je te laisse appuyer sur pause.
As-tu trouvé? Alors, effectivement, on entend bien le son O dans pomme. Très bien. Alors, une petite remarque toutefois. Tu as remarqué que dans le mot pomme, le O ne se prononce pas de la même façon que dans le mot rose. Dans le mot rose, le O se prononce bien O. La bouche fait un rond avec les lèvres. O. Tandis que dans le mot pomme, le O est légèrement différent. Regarde, on entend O. Pomme. Dans rose, il est bien rond. Rose. Alors que dans pomme, le O est légèrement plus ouvert. Ta bouche fait un O un peu plus ouvert. Oh. 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 Tes lèvres sont moins serrées quand tu fais O de pomme, alors que quand tu fais le O de rose, tes lèvres sont bien serrées. Alors, je te laisse t'entraîner à nouveau en regardant cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les sons.